Bon, il est actuellement 4h40, 4h36 du matin. C'est un débriefing très tardif. Ça fait 4 heures que je suis dans ma voiture à me demander si je le fais ou pas. Bon, mais je rigole. Faut rigoler. C'est tout ce qui nous reste, le rire. Évidemment, non. J'étais à un événement là. D'ailleurs, je vous invite les dimanches soirs, Café O, si tu aimes bien le hip-hop. J'ai deux gars à moi qui font des événements after-work là-bas, pas mal. Big Up, Tony et Gabi. Café O d'Austerlitz, le dimanche soir. Donc j'étais là-bas. Et j'ai regardé le match là-bas. Parce que tu peux aussi regarder le match en écoutant du bon son hip-hop. Donc je regarde le match. Le match se termine. Je me dis, je vais faire le débrief. Mais le videur me dit, si tu sors, tu remontes plus. J'ai dit non, 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 je vais pas plus remonter pour faire un débrief du match que j'ai vu. Alors je suis resté là-bas, je me suis enjaillé, et là je suis en train de rentrer, et j'ai dit je vais le faire parce que j'ai des choses à dire. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui dorment, je sais que la plupart des gens qui sont là en ligne nous viennent directement des dom-toms ou des autres pays francophones ou pays non francophones. Dans le monde entier, alors je vous big up à vous tous qui êtes debout à l'heure française de nuit, voilà. Donc si t'es là ou si tu sais pas t'es où, c'est le debriefing, voilà. C'est comme Vol de nuit de Patrick Poivre d'Arvor à l'époque quand tout le monde dort, c'est là où il faisait son émission. Je fais mon émission pendant que la plupart des gens dorment. Alors si tu es là, je te demande de te manifester si tu as vu le match. Qui a vu le match? Voilà, on reprend les bonnes gimmicks. Qui a vu le match? Si t'as vu le match, tu te manifestes. Si t'as pas vu le match, ne te manifeste pas parce que je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Rapidement, parce que j'ai envie de dormir, parce que j'ai un peu bougé mon cul sur du son de Destiny's Child, Usher, Michael Jackson, donc je suis fatigué. Tout d'abord, je tiens à m'expliquer sur les derniers débriefings du Paris Saint-Germain qui n'ont pas été faits de ma part parce que je suis en colère. Voilà. Je n'ai pas débriefé délibérément les derniers matchs car il s'est passé un truc il y a quelques semaines. Vous vous souvenez très bien de ce qui s'est passé. Je suis fâché contre cette équipe. Mais là, comme c'était Marseille, je me suis dit, peut-être qu'ils vont reprendre du crédit à mon égard en les massacrant comme il faut. Et c'est Nous allons tenter de débriefer ensemble la victoire du Paris Saint-Germain face à l'Olympique Marseille dans ce qu'on appelle le classico. C'est-à-dire, c'est un classique du championnat français. Alors, comment dirais-je? L'officialisation de ce que je pensais, je pense que c'est l'équipe la plus faible depuis que les Arabes des Qatar sont arrivés. Voilà, je le dis, je le confirme. Nous avons affronté une équipe marseillaise qui est actuellement deuxième du championnat et qui n'a pas le plus bel effectif que nous ayons pu rencontrer depuis l'ère qatari. Oui, je le dis. Alors, je m'explique maintenant. Le match commence avec la Ligue des Champions en attaque pour le Paris Saint-Germain. Tu comprends que c'est ironique quand je dis ça, hein? Nous, c'est une Ligue des Champions en chocolat qu'on a en attaque. Même si j'adore, j'aime, je suis amoureux de Kylian Mbappé, Neymar et Messi m'ont fait beaucoup de mal les dernières semaines. Malgré on met des 6-1 contre Clermont, ça, pour mettre des 2 points contre Clermont, ça, tu sais faire, ça. Alors, bon, je regarde le match. Marseille, ils ont plus peur de nous, hein. Parce que qui a peur de nous? Parce qu'on a mis 6-1 à Clermont, tu crois que qui a peur de nous? Marseille, bon, ils ont une possession de balle stérile, mais ils ont une possession de balle. Donc ils essayent de faire genre, ils sont capables de conserver le ballon. Et là, même s'ils m'ont énervé il y a quelques semaines, je dois le dire, je dois l'avouer, je dis quand ça va, je dis quand ça va pas. Bah là, Messi, il est en train de trouver ses jambes.
À la fin de la saison, quand il n'y a plus rien à jouer, certes, mais il a récupéré ses jambes. Donc à un moment donné, on lui fait des passes, on commence à lui faire confiance qu'il est capable d'éliminer, il élimine un joueur, il remet en arrière sur Verratti, et tu sais que Verratti fait pas la Coupe du Monde. Donc Verratti, il sait que il va s'ennuyer l'hiver prochain. Alors il donne tout maintenant. Au cas où si une sélection nationale voudrait le récupérer. Peut-être le Sénégal, peut-être que Verratti va jouer pour le Sénégal. Peut-être qu'il va avoir une dérogation pour jouer pour le Sénégal. Alors il montre son talent. Et il le fait une balle fouettée. Il fouette la balle. C'est-à-dire qu'il l'a montée en neige. Il monte la balle en neige. Il a battu les œufs. Tu sais que quand tu bats les œufs à un moment donné, ils en ont marre d'être battus. Donc il se transforme en une sorte de montagne de neige pour avoir du goût. C'est ça qui donne le goût dans le gâteau. Donc il a fait un ballon fouetté. Pour le goût du footballeur amateur que nous sommes. Dans la profondeur, pour Neymar, parce que Neymar, qu'on le veuille ou pas, il a des qualités intrinsèques extraordinaires. C'est quand même quelqu'un qui va très vite. C'est comme quelqu'un qui a un QI football au-dessus de la moyenne. Même si c'est un connard, puisqu'on sait très bien qu'il dort toujours à 5 heures du matin pour jouer à Call of Duty ou aller chicoter les fesses de je ne sais quelle fille. On sait qu'il sait jouer au football. Donc lorsque Neymar fouette la balle, il aime les gâteaux. Tu sais que Neymar, il aime bien faire les yo-yo. Hein? Des fois, il prend 25 kilos. Donc, il a senti le clafoutis. Donc lorsqu'il sent les clafoutis, il dépasse, parce que c'est Rongier qui joue à droite. Il dépasse Rongier qui lui aussi aime les gâteaux, puisqu'il a la même moustache que Charles de Gaulle en 1888. Hein? Puisqu'il est, c'est connu, Charles de Gaulle aime les gâteaux. Donc, il se dit qu'il va peut-être rattraper les gâteaux avec Neymar. Que nenni! Neymar récupère la balle juste devant le gardien Paul Lopez, qui depuis 1997 a récupéré la place de Mandanda. Il met son pied en opposition, pied gauche, et la balle rentre. Un but magnifique, somptueux. 12e minute, je me dis peut-être que c'est un anniversaire et qu'on va passer un bon moment. Donc, on est là et puis malgré tout, bah on n'est pas. Tu sais, y a un truc qui cloche. On est soi-disant supérieur à eux, mais ils jouent au football, c'est con. Les Guendouzi, les Camara, les gays au milieu de terrain, le gay de Marseille, parce que notre gay, si quelqu'un a son adresse. Pour lui dire qu'il y a eu un match il y a quelques heures, ce serait bien de l'informer parce que je ne l'ai pas vu. Si quelqu'un l'a vu, veuillez me confirmer sa présence que je n'ai pas vue. Donc, tu vois, Marseille, ils jouent, hein, ils jouent, ils jouent un peu trop et ils nous font chier. Mais à un moment donné, on arrive à la fin de la mi-temps toujours avec 1-0. Je me dis, mais on va, mais moi j'en veux 6. Donc, je suis dans un esprit où je pardonne pas. Et là, Neymar, bon bah, il essaie d'être entreprenant, il récupère la barre de la surface, il essaie de frapper la balle et Rongier, comme il est jaloux de pas avoir goûté le gâteau, il met son coude en opposition. Penalty grâce à la VAR. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une conjoncture footballistique contre Marseille pour mettre un but, on est obligé d'avoir la télévision. Si on n'a pas la télévision, on n'a pas le câble, on ne met pas le but. Puisque Mbappé récupère la balle du penalty et 2 et 2 2 2 2-0. Mais un 2-0 poussif, hein. Pas un 2-0, tu dis nickel chrome. C'est pas ça. Rien à voir. Et quand on revient. Parce que je crois que j'ai oublié un truc. C'est pas 2-0, c'est 2-1 parce qu'ils égalisent. Et ils égalisent, c'était surtout pour ça. Que j'ai fait le débrief. Ils ont un corner. Donc, quand je te parle du corner de Marseille, il y a 1-0. Ils font le corner. Payet frappe très bien le corner. Ça, je ne lui enlève pas. Mais frère, Donnarumma, qu'est-ce qui t'arrive? Gianluigi, t'es venu prendre la place. D'un triplésiste champion des Champions League. Juste parce qu'il est né en 1986, nous pensons que c'est quelqu'un d'obsolète. Soit,
C'est un manque de respect de la part de l'institution parisienne. C'est ta faute. Mais j'oublierai jamais ce que tu as fait face à Karim. Je veux pas. Alors, au lieu d'être le T-1000, c'est-à-dire d'être dans une efficacité telle que même le 100% ne te suffit pas, tu vas me faire une sortie dans les airs! Comme un parachutiste qui n'a pas eu le BEP parachutisme pour récupérer le ballon comme un connard. Vraiment, mais quand j'ai vu que tu t'es parti boxer la balle, on sait pas si t'as voulu la boxer, si t'as voulu l'attraper, si t'as voulu le caresser, le malaxer, si t'as voulu exciter le ballon. On ne comprend pas ta sortie sur ce que je ne comprends pas. Frère, tu fais 58 mètres de long. Attrape-le. Donc, il fait une sortie pour se battre avec le ballon, frère. Je te jure, je ne comprends pas ce qu'il a voulu faire. Donc, il attrape pas le ballon. Cafouillage! Comme si nous étions au marché de Melun. Et il s'égalise avec Chaletta-Tcha. Si c'est Chaletta-Tcha, si c'est... Je jure, quand j'ai dit, mais... Donc, 1-1, et puis, pénalty d'Mbappé, là. Donc, il nous a fallu la télévision pour égaliser, pour passer devant. Et après, frère, deuxième mi-temps, mais c'était d'un nullisme. La seule satisfaction, franchement, je vous dis encore une fois, c'est Messi. Qui a su dribbler, qui a su entreprendre, qui a même fait des passes décisives, mais comme Mbappé, il veut pas mettre son front contre le hors-jeu, donc, et ils égalisent. Mais oui, ils égalisent. Et encore une fois, heureusement qu'on a la télévision pour qu'on nous signale le hors-jeu de Saliba sur le coup franc de Payet sur lequel ils égalisent. Voilà comment on gagne contre Marseille, gars. Grand respect pour Marseille. Mais l'équipe qu'on a, on est censé battre n'importe quelle équipe. On est censé battre les chevaliers du Zodiaque. On est censé battre l'équipe de la bande à Basile. On est censé terrasser le RPR, la France insoumise, le FN, le RN. On est censé battre toutes les équipes avec cette équipe-là, frère. Mais à pleine couture, on va faire des 2-1 chez nous, grâce à la télévision, grâce au PAF. C'est une honte! Une équipe qui a joué l'Europe cette semaine. Vous êtes dans aucune compétition. Vous ne jouez plus rien. Et vous faites dominer en deuxième mi-temps par une équipe qui joue contre le, je sais pas si c'est le Panathinaikos qui... Que cette saison s'arrête. Qu'on arrête cette mascarade. On arrête cette mascarade. Le seul moment où vous pouvez nous faire plaisir qu'on finisse en beauté la saison, allez nous botter Marseille, vous nous faites un match de dessert. Demain soir, on fait un audio avec tous les gens qui veulent parler du Paris Saint-Germain parce que on va insulter des gens malgré la victoire. Allez, ceux qui sont là, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.